Bonjour Adrien Alvarez. Bonjour, pardon. Alors, nous sommes à la galerie Réplique à Rodez. Alors, la galerie Réplique, c'est un lieu qui est géré par un collectif d'artistes, enfin, six artistes et une personne qui est la présidente, qui n'est pas artiste, mais qui participe également. Et en fait, c'est dans la continuité d'un lieu qui existait déjà auparavant à Marcillac-Vallon, qui a une quinzaine d'années d'existence, et que j'avais intégré il y a 5 ou 6 ans à mon retour en France. Et donc, on a souhaité quitter ce lieu à Marcillac et venir dans une petite ville, mais un peu plus grande, pour continuer de le développer, mais en gardant cette idée que c'est ce qu'on appelle Le lieu, maintenant c'était, pardon, le lieu, c'était le ça pont s'appelait des le Pont des Arts. Arts, Le voilà, pont des Arts, oui. c'est ça. Oui. Et donc il y a vraiment cette idée de ce qu'on appelle maintenant les artist run space, c'est-à-dire un lieu qui est entièrement pris en charge Oui. par les artistes, et pour nous, qui est l'occasion à la fois de montrer le travail de gens qu'on aime, qui sont extérieurs, qui font pas partie du collectif, de les inviter vraiment, de les prendre en charge comme, enfin, leur exposition comme une galerie commerciale le ferait. Et en même temps, au milieu de cette programmation qui est vraiment une programmation choisie par nous, de gens qui nous intéressent, dont le travail nous intéresse profondément, de montrer notre propre travail à l'occasion d'expositions personnelles de chacun des membres du collectif. Comme beaucoup de monde aujourd'hui, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, Oui. ce qui fait que je fais plein de découvertes de gens, enfin de travail de gens, d'artistes français ou voire internationaux. Mais après, bon, il y a toujours la question des moyens pour accueillir les gens qui se posent. Mais il y a aucune, enfin, on est ouvert, voilà, si c'est possible matériellement, à exposer des gens du monde entier. Et le seul critère, c'est la qualité à nos yeux du travail. Donc vous sélectionnez, Ah, c'est une etc. Vous sélection qu'on regardez. essaye Oui. de faire le plus rigoureusement possible. D'accord. Et voilà, et après de garder un équilibre entre, comment dire, d'être ouvert sur l'extérieur, par exemple de l'Aveyron, mais en même temps, si on trouve des gens très proches de nous, dont le travail nous passionne, on est toujours très heureux de les montrer, pour Oui. montrer qu'il y a aussi une implantation locale et que les artistes locaux soient à l'occasion d'être représentés à l'échelle locale. C'est très important D'accord. pour nous. D'accord. Vous avez aussi un site internet Pour la pour la galerie, galerie? non, on fonctionne beaucoup par les réseaux sociaux. Pour l'instant, on D'accord. a juste un compte Instagram, un compte Facebook. Mais c'est vrai que D'accord. les sites, enfin, il va falloir en faire un à un moment donné pour archiver un peu les Oui. expositions Montrer un petit peu montrer le voilà ce qui est travail. fait. Oui. Et même pour formaliser le contact, pour que des artistes puissent nous proposer d'exposer, nous envoyer des dossiers, enfin tout ça. Mais c'est Oui. vrai que les réseaux sociaux maintenant fonctionnent, Oui, c'est tellement pratique. c'est un élément déterminant Pour nous, pour oui, la complètement, ouais. diffusion, pour la. Oui, c'est vrai. Et là, c'est ce que nous faisons aussi, puisque c'est destiné à un réseau social, donc la chaîne YouTube réservée à l'émission Trajectoire. Eh ben, donc je m'appelle Adrien Alvarez, je suis principalement peintre et dessinateur. Oui. Je suis né à Toulouse et j'ai grandi en Aveyron. Et après, j'ai fait les Beaux-Arts de Marseille de 2006 à J'ai 2011. noté. Ouais. Diplômé École supérieure d'art et de design à Marseille. C'est ça. Oui. Et donc, quand je me suis spécialisé à Marseille, puisque ça marche par spécialité à partir de deuxième année, j'ai choisi un atelier de peinture, et dans cet atelier de peinture,
J'ai eu la chance de rencontrer un groupe de peintres. On était tous de la même année. Et donc, on travaillait ensemble. Il y avait une vraie émulation entre nous. Et donc, en cinquième et dernière année, avant notre diplôme, nous avons décidé de partir tous ensemble à Berlin pour monter un atelier là-bas et essayer de continuer un peu cette communauté à l'extérieur en découvrant une nouvelle ville et une nouvelle scène artistique. Premier constat, c'est-à-dire que vu que Berlin est la capitale, il faudrait que je compare un peu à Paris et malheureusement, j'ai jamais vécu à Paris, donc j'aurais du mal à... Oui. Taille égale, rayonnement égal. Oui. Mais donc, c'est-à-dire que ce que j'allais dire par rapport à Marseille, moi, quand je l'ai quitté en 2011. J'ai passé mon diplôme en 2011, l'été 2011, et je suis parti juste après à la rentrée. Et à l'époque, Marseille était culturellement très enclavée. Elle venait d'être, comment dire, d'être élue capitale européenne de la culture. Oui, il y avait le 14, oui. Si je ne me trompe pas. Oui. Et du coup, il y avait cette promesse-là, mais rien n'était encore fait. Et elle a acquis aujourd'hui un rayonnement culturel qu'elle n'avait pas quand moi je l'ai quitté. Les deux premières semaines, on logeait dans un appartement de 60 mètres carrés à 7. D'accord. Deux dans le hall d'entrée, deux dans le salon et trois dans la chambre, quelque chose comme ça. Et on tournait, parce qu'on n'a pas été tout le temps dans l'entrée, donc c'était vraiment... Il y avait un côté aventure totale. Et... On débarquait vraiment, c'était vraiment, on n'était vraiment pas attendu, il n'y avait aucune structure pour nous recevoir. D'accord, ça c'est... C'était vraiment un pari quoi qu'on a fait. D'accord. D'accord. Et je peux peut-être égrener le nom de mes comparses vite fait. Donc il y avait... Juliette Desjouet, Nicolas Frémion, Nicolas Nicolini, Victoire de Cavel. Oui. Nicolas Nicolini, je l'ai vu dans un article où vous exposiez avec, comment s'appelait-il, vous étiez trois. Moi, Nicolas Nicolini, Fabien Boitard. C'est ça. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Une exposition collective comme ça. Oui, oui. Alors, je m'en souviens. Poursuivez, excuse-moi. Et après, il y avait aussi avec nous trois artistes coréennes qui avaient fait les beaux-arts avec nous, Shin Yung Park, Yuri Yang et Soyun Kim. Oui. Et donc voilà, j'espère que j'oublie personne. Et Clément qui nous a rejoint après, qui n'était pas là au tout début, mais qui est arrivé très vite, Clément Couder. D'accord. Et donc on est parti avec ce collectif et on a rapidement trouvé un atelier. On s'est mis à travailler dans cet atelier pendant les deux premières années, parce qu'après il y a eu un changement d'atelier. On travaillait la semaine dans notre atelier et pas tous les week-ends, mais certains week-ends, on ouvrait l'atelier au public, on rangeait tout et on faisait des expositions. Et donc, on était à la limite de ce qu'on appelle le Ringbahn à Berlin, c'est-à-dire le métro périphérique. Oui. Et dans un quartier, depuis que Kreuzberg, qui était un quartier qui était vraiment gentrifié à l'époque, qui était un peu inaccessible pour nous. D'accord. On est passé à Neukölln, et Neukölln était un quartier un peu plus abordable, un peu plus populaire. On a débarqué notre atelier, c'était une ancienne boutique, donc on avait des grandes verrières qui donnaient sur la rue. Ce qui permettait de nous voir en train de travailler, en D'accord. fait. Ouais. Et quand on se baladait dans le quartier, on n'était pas du tout les seuls à faire ça. Il y avait 10 autres collectifs dans le quartier qui faisaient exactement la même chose, qui reprenaient de vieux locaux commerciaux. Et après, on a déménagé l'atelier, on était à Lichtenberg, et Lichtenberg était du côté est. Ouais. Et, alors, on se sentait pas trop, parce que le côté où on était, à Neukölln, la partie de Neukölln où on s'était installé, était plus populaire que Lichtenberg, la partie de Lichtenberg où on est allé. Et là, c'était un complexe d'ateliers dans des bâtiments, dans des anciennes usines qui avaient été réaménagées là par une structure commerciale en fait, qui s'était spécialisée dans l'immobilier pour artistes, donc D'accord. avec des ateliers et qui proposait différentes tailles d'ateliers, etc. D'accord. Et est-ce que vous avez trouver là aussi une différence dans la manière de faire
de faire des choses là-bas, de pour promouvoir son art, etc. Est-ce qu'il y avait vraiment des différences ou il n'y en a pas du tout? Ben, c'est-à-dire qu'on y trouve, alors comme je disais, j'ai jamais habité Paris, mais on y trouve quelque chose qui, à mon avis, est absent à Paris et absent dans beaucoup de villes en France. C'est une vision do-it-yourself de l'art et de la promotion de sa pratique. On fait, puis après on... Voilà, c'est ça. Avec, il y a tous ces ateliers collectifs qui s'ouvrent partout et qui sont... Alors là, après, nous, on avait déménagé dans une structure, mais beaucoup de gens le font sans structure, juste en louant un local commercial, un peu comme on fait ici, oui, mais avec une pluralité de propositions qu'on retrouve, enfin, que j'ai jamais vu en France. Et tout ça est couplé aussi à des bars associatifs où il y a beaucoup, beaucoup d'artistes, beaucoup de concerts, des conférences, des soirées cinéma dans les parcs. Enfin, ça bouillonne, il y a vraiment... Voilà, il y a une effervescence. Et contrairement à Paris, pour le peu que j'en connais, même si ça existe aussi à Paris, mais à Paris, c'est beaucoup plus institutionnalisé. Voilà. Et à Berlin, il y a vraiment un côté underground dans la manière voilà. où c'est pensé, ça se fait. Ouais. Ce qui est moins le cas à Paris, où on passe par des circuits. Mais c'est beaucoup plus difficile parce que c'est beaucoup plus cher et que le prix du mètre carré est beaucoup plus élevé. À Berlin, il y avait encore la possibilité de faire ça avec des moyens relativement faibles, en ayant un petit travail à côté. Oui. Très bien pour ce volet allemand. Vous avez aussi une particularité, c'est que vous êtes le fils d'un peintre, Gérard Alvarez. Alors je voulais vous poser la question aussi par rapport à ça. Quel rapport vous entretenez avec lui? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de pression, de concurrence, de rivalité entre vous et comment vous avez vécu le fait d'avoir baigné dans cet environnement-là? Parce que on voit ça beaucoup dans le cinéma, on voit ça beaucoup dans d'autres formes d'art, et ça peut se révéler très compliqué. Bon, en peinture, ça existe depuis presque le début de la peinture. On voit beaucoup de... Tout à fait. Mais... Quand on prend des artistes baroques ou pré-baroques ou classiques, et qu'on a l'ancien et le jeune, c'est père et fils à chaque fois. Et c'est, mais parfois, ça peut être conflictuel, c'est ça que je veux dire. C'est que le fils, moi, ça l'a jamais... le père ou... Non, moi, ça l'a jamais été. Après, il y a des parentés, oui, mais après, moi, j'ai développé donc un travail récent qui me semble, comment dire, vraiment proposer une perspective autre. Oui. Et dans le même temps, mon père s'est mis à faire beaucoup de photographies. Oui, donc là, c'est fait. Du coup, il y a un chemin qui s'est séparé, on va dire. En Allemagne, moi j'aime beaucoup les peintres allemands, Abbad Meinting, Kippenberger, Albert Hollen. Enfin, ce qu'ils faisaient à l'époque, parce qu'après, ce qu'ils font maintenant, par exemple, ce que fait maintenant Albert Hollen, j'ai vu une expo à Paris, et j'ai trouvé ça à peu près sans intérêt, mais ça m'a nourri à une époque. Et quelqu'un que j'adore, mais je vais pas, à chaque fois, je sais pas pourquoi son nom me revient pas. Alors vraiment, c'est quelqu'un que j'adore, qui est un peu emblématique, qui a fait toute une série de peintures, et une peinture de lui qui est très connue, assez érotique, où on voit dans un clair obscur une femme qui est tendue sur un lit, qui est nue, dont on voit les hanches, les fesses, le sexe et les jambes, et qui a l'air qui bouge un peu comme si elle était une crise de fièvre ou quelque chose comme ça, et un jeune garçon qu'on voit de dos qui est derrière et qui plonge sa main et qui a l'air de voler quelque chose dans son sac ou de voler un fruit, enfin je sais plus ce que... L'idée, en fait, d'essayer de trouver une ligne de crête entre les deux et de produire des peintures dont on puisse pas clairement les assimiler à l'un ou à l'autre. Et de faire de poursuivre cette démarche en prenant en charge le digital
est-ce que le digital, à notre époque, vraiment le début du 21e siècle, a fait à l'image, et aujourd'hui tout le monde s'en est emparé et on a un flot d'images comme ça avec qui utilisent tous ces nouveaux outils numériques de collage, de modification, de texture, de filtre, etc. Et donc ça me semblait très intéressant de à la fois trouver la ligne de crête entre abstraction et figuration et en même temps la trouver par le biais de ces nouveaux usages du numérique et de trouver un moyen d'inscrire ce nouveau paradigme du numérique dans l'archaïsme des moyens, enfin dans les moyens archaïques de la peinture. Dès le début de ma formation, dès que je suis arrivé aux Beaux-Arts, il y avait vraiment des toiles pornographiques carrément. D'accord. Et donc ça a duré. Alors je pense qu'il y avait une espèce de réaction par rapport à ce que j'imaginais être l'institution et comment il fallait aussi opposer en entrant dans une école des Beaux-Arts se mettre avoir une attitude un peu antagoniste par rapport à ça. Et donc. Ceci dit, le nu, la sexualité, c'est banal. Dans l'art, oui, surtout aujourd'hui. C'est très banal. Surtout aujourd'hui. Donc, c'était la réflexion que je me faisais au début, à mon arrivée à l'école. Et après, oui, c'est-à-dire que, moi, j'essaie de l'aborder d'une manière qui sortait. En fait, mon idée, c'était que la pornographie, c'est obscène, c'est-à-dire littéralement ce qui est hors de, ce qui est invisible, ce qui empêche le regard, de l'érotisme, voilà. Et du coup, il fallait surtout pas rentrer dans l'illustration pornographique, c'est-à-dire il fallait en gros, je prenais une image pornographique et il fallait lui donner un traitement en peinture qui soit assez fort pour qu'il y ait autre chose à voir que l'obscénité. Oui, d'accord. Et que le traitement, que le traitement pictural vienne sortir le simple, enfin la lecture simplement pornographique ou l'obscénité de la peinture. C'est quelque chose que j'ai envie de faire dernièrement parce que j'ai commencé une série de peintures qui s'y prête assez, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Alors des fois, je reprenais certains motifs revenaient, mais c'était pas vraiment on pouvait pas appeler ça une vraie variation, c'est-à-dire prendre vraiment une composition, des couleurs et reprendre ça en changeant à chaque fois à la marge qu'un élément pour créer vraiment une série, une variation. Il n'y avait pas de dénominateur commun, si ce n'est un motif, mais ça, on pouvait pas vraiment parler de série. Et là, j'y pense parce que, quelque part, mon travail s'est un peu formalisé sur certaines approches, c'est pas vraiment formalisé sur des approches techniques, mais en tout cas, je me suis mis à avoir une réflexion d'ordre peut-être encore plus formel qu'avant, enfin différemment en tout cas, et cette manière nouvelle d'aborder la forme et de rentrer dans la peinture par la forme correspondrait très bien à la sérialité. Ça serait vraiment, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant pour moi de prendre une approche, un processus de peinture, et de l'épuiser comme ça en essayant plein de choses différentes dans la simple mesure où c'est une manière aussi pour moi de m'approprier cette approche nouvelle que d'en faire des variations pour rencontrer, enfin faire advenir des accidents, rencontrer des choses qui étaient imprévues. D'accord. Et donc j'y pense de plus en plus. Je pense que je vais le faire. Au moins en premier sur papier, peut-être en noir et blanc avec des encres. D'accord. J'ai envie de faire ça. D'accord. Ouais, parce que comme un laboratoire quoi. Un pour sujet, la suite. Ça peut être. Ça peut être toute une vie. Ben oui, c'est sûr, oui. La peinture est à la fois un geste tellement sophistiqué et tellement archaïque. Oui. Enfin, un médium plutôt qu'un geste tellement sophistiqué et tellement archaïque. On peut, avec en réduisant énormément les moyens, avoir du travail pour une vie.
C'est sûr. Ouais. Après, même en réduisant les moyens, il faut se renouveler. Et c'est finalement, dès qu'on parle de sérialité, de variation sur dans un cadre très défini, on se met dans une situation, il faut absolument se réinventer tout le temps, parce que sinon on ennuie tout le monde tout à fait, immédiatement. Ouais. Et c'est quelque part, la peinture, c'est toujours, c'est un médium très difficile à mon avis, mais disons que plus l'approche est radicale, plus ça rend le médium, l'approche du médium ardue. Ouais. Voilà, si on prend Monet. Ouais. Voilà, Monet, alors après, les sujets sont extrêmement variés. C'est varié quand même. C'est très très varié. On peut pas dire qu'il a limité. Il a limité, c'est-à-dire, c'est Cézanne qui disait de Monet, Monet ce n'est qu'un œil, mais quel œil. Et tout son travail se pose juste sur un phénomène optique, qu'on a fini par appeler l'impressionnisme, qui est comment rendre à nouveau frais ce que perçoit l'œil humain. Il a fait toute son œuvre juste sur cette idée-là qui est très simple, qui tient en quelques mots. Mais il fallait, voilà, c'était un tonneau des Danaïdes, pour l'épuiser, il fallait une vie une entière. Vie, ouais. Tout à fait, ouais. Donc on creuse le sujet, mais ça reste quand même intéressant. Et, ouais. Oui, c'est passionnant. C'est passionnant. C'est passionnant aussi, ouais. Ouais. Il est très difficile de critiquer l'art contemporain, enfin en tout cas un certain art contemporain, c'est-à-dire l'art contemporain qui domine, qui est visible, qui est soutenu par des grands mécènes. Mm-hmm. Bon, le fait qu'il soit soutenu par des grands mécènes, je dirais rien de nouveau sous le soleil, des mécènes il y en a toujours eu, mais il y a quand même une rupture dans la façon de... Une spécificité, ouais, de créer, qui est complètement différente aujourd'hui et qui est, à mon avis, sans équivalent. Je pense que dans toute l'histoire de l'art et du marché de l'art, alors après, je suis pas du tout spécialiste, mais en tout cas, les époques, les âges d'or, se font toujours, à mon avis, quand il y a une dialectique entre différents collectionneurs, différents mécènes, différentes institutions, et que ces gens-là sont en émulation et se tire la bourre pour faire émerger des noms, pour avoir des collections, pour avoir une aura qui est liée aux artistes qui soutiennent, etc. Et puis une spéculation aussi un retour sur investissement quelque part. Oui, mais dans l'histoire de l'art, il y a de grands, voilà, on sait qu'il y a de très grands artistes dont le nom est attaché aussi à leur mécène. Et qui les ont, voilà, si on pense à Botticelli, à des gens comme ça, ils ont été soutenus bec et ongle par des gens dont la gloire venait du rayonnement artistique de ces peintres, ou de ces sculpteurs, etc. Et le problème, je pense, aujourd'hui, c'est que les collectionneurs en question, il y en a très peu. Et il n'y a personne pour faire contrepoids et mettre en cause leur goût et les obliger, les mettre dans une situation de concurrence. Ouais. On est dans une vision du monde néolibérale où il y a la concurrence fait tout. La concurrence, elle est internationale, en fait, entre des gros collectionneurs, mais elle n'est pas entre... Oui, mais pas sur le goût. Pas sur le goût. On sait aujourd'hui, voilà, que c'est arbitraire. Il n'y a pas une vision, un aspect civilisationnel à ce goût. Oui. C'est vraiment des personnes en particulier qui décident comme ça un peu. Oui, comme bon de manière ensemble, arbitraire. Oui. Je crois que c'est même pire que ça, c'est-à-dire que donc il y a ces trois artistes-là qui effectivement font des choses très spectaculaires, où il faut des moyens techniques énormes pour produire les œuvres d'art, il faut des moyens techniques énormes pour les installer. Enfin, c'est vraiment c'est le gigantisme. Quand on peut penser même à plein d'autres gens, à Richard Serra, à plein d'artistes, Anish Kapoor, dans l'art monumental, Boltanski, Anish Kapoor, et ça va. On va trouver des gens, là, des pièces de certaines pièces qui sont majeurs et d'autres, certains artistes dont toute l'œuvre
et pour moi sans intérêt, d'autres où on peut trouver des pièces intéressantes mais qui ont dérivé vers ce gigantisme permanent, etc. Mais ce qui moi me semble vraiment spécifique à cette époque et en particulier à la France, c'est l'arbitraire en fait. Ce qui est très étonnant, quoi, c'est qu'on peut trouver, donc il y a quelques collectionneurs en France qui font l'appui et le beau temps et qui vont comme ça propulser du jour au lendemain des gens inconnus au rang d'artistes internationaux. Voilà. Du simple fait de voilà, c'est performatif, la simple on achète une œuvre, un collectionneur majeur achète une œuvre, l'œuvre double de volume, de prix, voilà. Simplement parce qu'il l'a achetée, parce qu'elle est passée dans les mains de parce qu'elle est passée dans ses mains et une carrière s'ouvre immédiatement pour l'artiste en question, et ça se fait sur le simple goût du collectionneur. Voilà. Il n'y a pas d'autres réflexions qui rentrent en jeu de. Voilà. Est-ce que ça, c'est quand même pas quelque chose de nouveau aussi, quand même, par rapport aux mécènes? C'est quand même une inversion des valeurs. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la valeur qui fait l'artiste? Et ça, c'est quand même assez aussi nouveau. On faisait de la création et éventuellement, on était muséifié à la fin de sa vie pour certains. Alors qu'aujourd'hui, c'est la valeur fait l'artiste. Il passe par des circuits qui sont des circuits de grandes galeries. Et puis, il passe aussi par les institutions, puisque les institutions utilisent des grands artistes qui sont sous la coupe de mécènes. Et en faisant ça, ils leur donnent une visibilité, une valeur qu'ils n'avaient pas. Et la valeur fait d'eux des artistes. Et c'est quand même une inversion qu'on peut noter, non, dans cet art contemporain. Je pense. En même temps, je pense qu'on est, nous, à notre époque, très tributaire d'une vision aussi de ce que doivent être les rapports de l'artiste et du marchand ou du mécène, qui est beaucoup celle du XXe siècle, où voilà, on a la vision du bateau lavoir, de Kahnweiler qui arrive au bateau lavoir, qui achète tout Picasso et qui tout d'un coup découvre le génie de Picasso et ça se met en place comme ça. Mais avant ça, il y a tout l'académisme du 19e et du 18e où des gens se retrouvaient voilà, à la fin 19e, Manet, Courbet étaient plus ou moins des parias. Et c'est eux qu'on a retenu. Et à côté de ça, il y avait des tartines de peinture. Alors je suis d'accord, mais par rapport à ce que j'ai dit auparavant, il y a quand même une chose qui existe aujourd'hui, c'est qu'ils rentrent dans les institutions. Donc est-ce qu'à partir de ce moment-là, on peut totalement les oublier? Ces gens que vous citez, effectivement, ils pouvaient finir leur vie ou après leur mort être muséifiés, comme je l'ai expliqué. Mais je pense que c'est ce qui va se passer pour notre époque. Ils rentrent dans des musées. Vous avez des artistes contemporains qui, à 40 ans, sont dans des musées. Ou en tout cas dans des fracs. Je pense que c'était pareil. Hein. Je pense que c'était pareil. Je pense que les. C'était peut-être pas les musées, mais en tout cas, c'était les endroits où il fallait être pour être riche et célèbre. Et je pense que ça a toujours marché un peu comme ça. Et je pense aussi que la ligne de fracture est plus ou moins floue. C'est-à-dire qu'on trouve toujours, à une époque donnée, de très grands artistes qui vont être couverts de gloire et d'argent. Et des artistes mineurs qui vont l'être aussi, et de l'autre côté, de très grands artistes qui vont être dans l'anonymat et qui vont avoir une vie très difficile financièrement, qui vont avoir beaucoup de mal à croire en ce qu'ils font. Enfin, ça sera une bataille psychologique permanente pour se dire que ce qu'ils produisent valent le coup, etc. Enfin, donc je pense que ça a toujours existé, mais en tout cas, ce qui, moi, me désespère un peu par rapport à notre époque et par rapport à la France, c'est que je trouve que en parallèle des institutions et des gens qui les animent, il faudrait qu'il y ait des collectionneurs. Au lieu que les collectionneurs chapotent le marché avec des sommes pharaoniques et qu'en France, en dessous de ça, on ait toutes les institutions, depuis les fracs, les plus petites fracs, jusqu'au plus gros musée parisien, il faudrait qu'en face de ça, on ait des collectionneurs, y compris des collectionneurs de petite importance, des gens qui font, alors ça existe, hein, il y a des gens qui font de petites collections, mais quand on voit les galeries en province, ce qu'on appelle la province en France, c'est-à-dire tout sauf Paris, c'est
hallucinant, quoi. Si dans, s'il y a Toulouse, Marseille, Nîmes, Montpellier, Bordeaux, enfin là je parle pour le sud et les grandes villes, qui nous environnent, Nice, s'il y avait un réseau de collectionneurs, des gens qui font des collections et qui animent les vies artistiques, je pense que ça changerait beaucoup de choses. Parce que les institutions se retrouveraient concurrencées. Aujourd'hui, quand on voit pas mal d'institutions, elles ont vraiment... Elles vont dans le sens. Elles ont pignon sur rue, il n'y a pas de contre-pouvoir. Oui, oui. Et les gens, et moi je pense que même pour eux, c'est catastrophique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, même dans les institutions, qui aimeraient avoir un contre-pouvoir parce que ça fonctionne toujours. Comme ça, personne. Voilà. Est-ce que c'est pas dû aussi au fait que l'État français est très centralisé, quoi. La promotion d'artistes français passe par les institutions, justement, là où, par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup de collectionneurs aussi privés. Et d'initiatives privées qui font vivre le marché. Ben c'est quoi. Ça, c'est ce que je veux dire. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est... Ah oui, c'est ça, complètement, oui. Et alors, pour autant, moi, je suis très content que Paris existe et qu'il y ait les expositions qu'il y a à Paris. Je pense que c'est très important que Paris reste Paris. Mais il faudrait, en fait, trouver un moyen de plus regarder Paris comme le centre névralgique de la culture en France. Et l'alpha et l'oméga, et s'en contenter. Il faudrait évidemment, il y a des musées ailleurs, il y a plein de propositions, c'est quelque chose que tous les gens qui s'occupent de culture en province ont en tête, mais jusque-là, la balance me semble encore très déséquilibrée. D'accord. Et ça serait bien que... Et en Allemagne, j'avais une impression différente. Il y a plus d'ouverture, plus de soutien. C'est une organisation beaucoup plus fédérale, du coup, il n'y a pas... C'est moins centralisé, Et c'est moins centralisé, et en plus, des gens vont mettre de l'argent dans un téléphone portable dernier cri, et mettre de l'argent dans une œuvre d'art de la même manière. Je trouve particulièrement choquant, parmi les trois qu'on a cités, c'est que, il faut le savoir, ils ne sont pas les auteurs de leur création. Pour expliquer aux internautes qui ne le savent peut-être pas, pour les autres, bon, évidemment, c'est un secret de polichinelle, mais effectivement, ces trois acteurs-là de la scène artistique, ils ont une particularité, c'est que ils font travailler des petites mains dans différents domaines. Ils en sont les auteurs, mais pas les producteurs. Et voilà. Et ça, c'est quand même tout à fait important. Ils prennent des assistants qui ont le savoir-faire technique dont ils ont besoin. Et pour les peintures, par exemple, Jeff Koons, il s'en sert comme d'une imprimante, en fait, de ces gens-là. Quand on les voit travailler, ils travaillent sur de très grands tableaux. Tout ça est découpé sur un quadrillage. Et ils ont une feuille avec le imprimé et ils reproduisent exactement sur ce qu'il y a sur cette feuille A4. Et du coup, ils peuvent travailler comme ça par morceaux. Les gens travaillent pas forcément, font pas forcément les morceaux qui sont les uns à côté des autres. Et on reproduit à l'identique une image qui a été faite sur ordinateur par Koons. Et le seul intérêt là-dedans, c'est en fait à l'exact opposé de ce que faisait Duchamp, la noblesse. Du médium, qui est la peinture. C'est une manière de dire à ces collectionneurs, je ne vous vends pas une impression, même si ça a été fait avec les meilleurs moyens techniques, je vous vends une peinture fait main, comme on vend, comme quelqu'un qui fait de la haute couture, vend quelque chose qui est fait sur mesure et fait main. Koons fait pareil. Mais ça, c'est vraiment le contraire, pour le coup, du ready-made, puisque... Il se met dans la continuité justement de l'art institutionnel, de l'art pompier, du savoir-faire, de l'artisanat de haut niveau qui a prévalu dans la peinture et dont qui a produit toute une série d'œuvres qui ont complètement disparu aujourd'hui. En ne mettant jamais la main à la pâte, quand même, il y a un problème. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler... Ah, mais il y a un problème, oui. Il y a un problème, c'est que c'est inintéressant. Est-ce qu'on peut parler d'art quand il n'en est pas l'exécutant, quoi? Moi, disons que, parce que définir l'art, le non-art, c'est toujours très très compliqué, mais pour moi, et de manière totalement subjective, ou de la création, alors, on peut parler de manière subjective, on peut parler de la qualité, alors c'est évidemment très subjectif et les limites sont aussi très difficiles à définir, mais si on regarde les peintures en question, pour moi, ce sont des peintures mineures,
le prendre comme on veut dans tous les sens. Il y a rien que moi qui le fait qu'il y ait un savoir-faire derrière dedans. De gens n'entre pas en ligne de compte. D'accord. Mais par contre, s'ils produisaient quelque chose en le faisant faire par ses assistants que je trouvais digne d'intérêt, ça n'aurait aucune importance que ça soit fait par des assistants. Moi, je pense que si on présentait des œuvres à des personnes dans une galerie et qu'on dise « Vous voyez, tout ce que vous avez là n'a pas été fait par l'artiste », je ne suis pas sûr que l'impact serait le même dans les têtes des gens. Quoi. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme quand on va voir une copie de la grotte de Lascaux. On sait que c'est faux. Alors, bien sûr, ça, c'est très bien fait, c'est très bien reproduit, mais c'est faux. Mais si on prend la musique, par exemple, si on prend un compositeur ne joue pas sa musique, il la compose, et derrière, il y a des gens qui sont chargés de l'interpréter et qui vont amener à chaque fois une légère variation qui est liée à l'interprétation. Mais voilà, cette interprétation va rentrer en ligne de compte et devenir une partie de l'œuvre. Si on prend une symphonie, les musiciens qui l'interprètent vont être vraiment participer à l'élaboration de l'œuvre d'art, enfin en tout cas d'un enregistrement ou d'une représentation. Le problème avec Kunz, c'est qu'il utilise les gens comme des imprimantes, ni plus ni moins. Il ne participe pas de l'œuvre. C'est ça le problème pour moi. C'est pas le fait que lui ne fasse rien, c'est qu'il fasse faire l'œuvre à d'autres gens. Un système. Il met en place un système où les gens sont un moyen et pas une fin. Voilà. Et c'est ça le problème. Et pour moi, ça dit quelque chose de très central sur son œuvre, c'est qu'elle est tellement fragile, elle est tellement, c'est comme un organisme qui n'a aucune immunité. Et du coup, il faut éviter que les artistes qui vont, parce que c'est tous des artistes, hein, c'est des gens qui sortent des écoles des beaux-arts et qui ont une œuvre personnelle, il les choisit toujours comme ça. Il leur interdit de mettre la moindre parcelle d'eux dans ce travail de reproduction. Oui. Et ça dit bien la fragilité de son œuvre, c'est-à-dire qu'il voit tout le travail de ces artistes comme une contamination possible. Et s'il la voit comme une contamination possible, ça veut dire que ses œuvres sont, si on continue le parallèle, la métaphore médicale, elles sont dans un état d'immunodéficience, elles sont mourantes, ces œuvres. Et il ne faut pas qu'il y ait le moindre, quoi que ce soit, qui vienne les contaminer, parce que sinon elles s'écroulent. Ouais, voilà. Ouais. Et je pense si on prend des gens qui ont une vraie œuvre et qui vont avoir des assistants, ça n'a aucune importance. Ils seraient même prêts, j'avais vu un documentaire sur Kubrick où des gens qui avaient travaillé avec Kubrick expliquaient que Kubrick était ouvert à toutes les propositions venant du moindre Perchman sur le plateau de tournage parce que c'était pas son propre ego qui était en jeu, c'était le fait de faire le meilleur film possible. Est-ce que nous ne vivons pas dans un monde où l'image est en train de chasser l'écrit progressivement et où il y a de l'art partout? On parle de la démocratisation de l'art, mais on le voit sur les ronds-points, on le voit dans des galeries, on le voit dans des endroits où on n'imaginait pas le voir. Donc est-ce que le tout image, c'est pas quelque chose qui peut être aussi là aussi un danger pour l'artiste, parce que finalement, à force d'être nourri d'images, est-ce que le spectateur aura encore les moyens de faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais? Tout est tellement noyé dans un flot d'images qu'on ne sait plus faire de distinction. C'est tout l'enjeu pour moi, c'est vraiment tout l'enjeu. Le fait qu'on doive s'en emparer et trouver une parade. Et je pense que voilà, c'est les vents contraires de notre époque, que tous les artistes pendant toute l'histoire passée de l'art ont toujours été en face de problèmes esthétiques majeurs qui venaient tout remettre en cause. L'imaginaire reprend toujours le dessus parce que on parle toujours de production humaine et qu'il y a toujours une parade, hein, une manière de détourner le regard et de proposer quelque chose de nouveau. Et je pense que dès qu'on propose quelque chose de nouveau qui est spécifique à une époque, ça devient immédiatement, et puis ça rend désuet toute la répétition de platitudes imagières dans laquelle on fait face aujourd'hui et qui répète en permanence les mêmes gimmicks. Et donc tout ça disparaîtra comme tout le reste a disparu avant,
comme tout ce qui est plat et répétitif disparaît depuis toujours. D'accord. Il reste que qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a une qui valeur surnage. Ouais. Donc vous êtes confiant pour l'avenir alors? Oui. Il y aura toujours l'équivalent d'un monnaie qui va rentrer dans une gare et se dire, contrairement à tout le monde, que c'est un sujet parfait pour une peinture.